Dominique Besnéard a eu la peur de sa vie. Au lendemain de la soirée Miss France sur TF1, le célèbre producteur a été victime d'un problème cardiaque, avant d'être sauvé par Francis Huster. Une frayeur qu'il a racontée aux internautes sur les réseaux sociaux. Dominique Besnéard a eu une grosse frayeur. Le célèbre producteur de 68 ans a échappé au pire après sa participation à l'élection de Miss France 2023. Le 17 décembre dernier, l'ancien agent de star était pourtant très en forme sur le plateau de TF1 où il assurait le rôle de juré aux côtés de Clarisse Agbenianou, Arnaud Ducret, Kenji Girac, Bérangère Crif, Marine L'Orphelin et Francis Huster, qui était le président du jury du concours de beauté. Mais tout a basculé après le couronnement d'Indira Ampio comme il l'a révélé dans un message posté sur son compte Facebook. Ce Noël est un peu spécial pour moi cette année. En effet, je suis à l'hôpital Georges Pompidou en observation après un problème cardiaque survenu le lendemain de la soirée des Miss, où j'étais dans le jury présidé par Francis Huster, a-t-il expliqué sur le réseau social, en révélant que l'acteur lui avait sauvé la vie. Dominique Besnéard fait une mise au point après ses révélations. Merci à Francis Huster et à mon ami Hubert d'avoir pris conscience que je déraillais et ont fait arrêter la voiture alors qu'il croisait magiquement une voiture de pompiers, a-t-il confié. Quelle aurait été ma destinée alors? Tout est dans l'ordre maintenant je pense, car je suis bien suivi par mon cardiologue et par l'équipe de l'hôpital Georges Pompidou. Alors qu'il se repose toujours après cette grosse frayeur, Dominique Besnéard a quelque peu regretté de s'être épanché sur cette mésaventure sur les réseaux sociaux. Il a alors tenu à expliquer aux internautes pourquoi il s'était confié au sujet de ses problèmes de santé. Je me suis permis de mettre ce message un peu impudique car il me revient des explications à propos de mon malaise un peu abracadabresque, a-t-il assuré. Il a rapidement été rassuré par de nombreux internautes qui n'ont pas du tout trouvé sa publication déplacée et lui ont souhaité un prompt rétablissement. Un soutien important pour Dominique Besnéard.